vraiment papa na zo biso bisiko et cela biso bien te. Voir même foutu député oya zéro mètre awa et pas na bawa na velo bag nani. Na nepitanga kombo na inani Patri Lubala na Ifetu Lubala bango oya veli mete kwangu Lubaki twaje mavende ndaku na bagweza wa Kumesha lemba tuyebi ete na kachumba nzalemba nani achaka tulimtu iba nani achaka bakukumesa bukumesa lemba esika za mwana lemba tozo senga na gouvernement asala tu alongola biso gouverne nani bukumesa bukumesa lemba alongola yepo c'est un fouteur. Merci une fois de plus de nous faire confiance. Aujourd'hui, c'est un face-à-face spécial, un face-à-face sur terrain. Nous sommes venus pour parler des questions sociales de la population. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la situation d'une commune, d'un quartier. Nous sommes ici au quartier Mbanza-Lemba, dans la commune de Lemba, depuis la reprise de la pluie. Ce quartier, depuis un certain temps, est menacé par les têtes d'érosion. Alors, la population se pose des questions. Comment lutter contre ces érosions? Comment faire? Parce que les autorités du pays n'interviennent pas. Voilà pourquoi je suis avec un natif du coin, un notable de ce quartier Mbanza-Lemba. Je rappelle que le quartier Mbanza-Lemba, c'est dans la commune de Lemba. La commune de Lemba, vous savez, c'est pour ceux qui ne connaissent pas très bien Kinshasa, la commune de Lemba, c'est presque au centre de la ville-province de Kinshasa. Et le quartier Mbanza-Lemba, c'est à quelques encablures de l'université de Kinshasa, la meilleure université de la République démocratique du Congo. Mais ce quartier est menacé de disparition. Nous sommes avec Jean-Claude Kilolo, ici. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, une brève présentation. Je suis Jean-Claude Kilolo, né et grandi dans ces quartiers. J'habite ces quartiers. C'est ça la grande présentation qui peut me mériter. Ok. C'est ça. Vous êtes natif de ce quartier Mbanza-Lemba. Aujourd'hui, ce quartier est menacé par les têtes d'érosion. D'ailleurs, vous êtes en train de voir que nous sommes en train de tourner cette émission juste devant une érosion. C'est juste pour vous faire vivre la réalité que vivent les habitants de ce quartier. Mais dans l'ingal, tout selon moi, l'ingal, hein, ils ont moins bien population. Nous sommes au Kamela. Tant que nous dans le quartier, dans le Sikobotami, la situation, oh, il y a ma bengi partout. Et ça, la condamne. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, j'aimerais vous remercier de l'opportunité parce que c'est une grande opportunité. Il y a Kolobela Mbanza-Lemba. Alors, to vivre Bandakala na Mbanza-Lemba, nous sommes dans une situation de sans voix. Mbanza-Lemba, Ndengolobi, c'est un quartier qui c'est une grande agglomération au Ezaboué, na commune ya Lemba, mais qui vit sans voix. Muta Kolobela Azate, muta Koyoka Mungongo Nango Azalite. Alors, voilà que le lot de saisir opportunité Oyo pour nako alarmer. Quoi l'armée Mboka na biso, quoi l'armée bah autorité ya commune, autorité ya commune, autorité ya ville à Kinshasa, ainsi que na niveau national. Mbanza-Lemba
et Zokende na voie il y a disparition à petit feu les quartiers vivent dans une situation de disparition. Pourquoi? Parce que le quartier est menacé de partout par des têtes d'érosion. Et ces têtes d'érosion sont entretenues par les eaux de pluie non encadrées venant de l'université de Kinshasa. Donc par là, vous voulez dire que le quartier Mbanzalemba est victime des eaux de pluie de l'université de Kinshasa? Certainement. En raison de sa proximité? Certainement. Le quartier, d'abord, le quartier Mbanzalemba, non seulement c'est une grande proximité, mais l'université de Kinshasa, je vous informe, monsieur le journaliste, est dans le quartier Mbanzalemba. Mm-hmm. Alors, les eaux, vous avez l'université de Kinshasa, c'est une grande entreprise de production des eaux non encadrées. Mm-hmm. Alors, ces eaux-là non encadrées posent beaucoup de problèmes. Le problème environnemental au niveau de ces quartiers. Vous avez derrière nous, vous avez déjà Ndenge, Mabengi, et Buki Banda Kwa Batu, et Buki Biblo Kwa Batu, Batu Bakufi, Batu Babi Sibilo Kona Bangwa, Ndenge Nandenge, et Maïwana, et ça, le Kola, et ça, encadré, et ça, baby sa vie à Batu, et ça, baby sa vie à Batu. Et c'est comme ça que nous vous remercions, dans l'opportunité, Bopé Sibiso, pour nous connaître le quartier Mbanzalemba et les érosions qui menacent son existence. Les érosions menacent l'existence du quartier Mbanzalemba. Mais quoi faire? Est-ce que vous, en tant que notable, vous avez sollicité les autorités pour vous venir en aide? Oui, c'était d'abord une démarche initiale. Mm-hmm. Nous avons vu le bourgmestre de la commune de Lemba, c'est lui qui est l'autorité attitrée pour la commune de Lemba, dont le quartier Mbanzalemba fait partie. Nous avons vu l'autorité municipale, nous l'avons présenté, le besoin de ces contrées, le besoin, les cris même de la population. Et ces cris-là, c'est un cri de détresse par rapport aux érosions, par rapport à la situation de l'eau, par rapport à l'électricité, par rapport à la situation invivable que nous sommes en train de vivre dans le quartier Mbanzalemba. Mm-hmm. Alors, cette situation, nous avons vu l'autorité locale. Nous cherchons maintenant à rencontrer le gouverneur de la ville pour lui parler de cette situation qui nous tracasse, qui nous dérange ici à Waboué, dans le quartier Mbanzalemba. Oui. Voilà, tu as marqué une courte pause parce que nous avons interviewé certains riverains, certains habitants du quartier Mbanzalemba, juste en ce qui concerne Makambaba érosion. Tu as se rappelé du 25 au 26 novembre 2019, donc année passée, Mboula Makase Betaki Bomaki Batwebele. Et parmi les secteurs qui sont touchés par Mboula, les quartiers Mbanzalemba, Batuba Koufa, Banda Kwekenda, Bilo Kwebele Kenda, Mboula Yongozozonga, Nini, aux populations, aux Kanisa. Tout ça qui tourne à quelques érosions, aux têtes d'érosion, aux menacés quartiers Mbanzalemba, d'interviewer certaines personnes, mais si vous êtes en Kanisa, surtout, moko ya ba victime ya ba sinistre ya mbula o ebeta kinda kuna ekendaki ye pa lobby to landa bango na bokebi to kuta na pona o continuer émission na biso. Nous sommes ici au quartier Mbanzalemba précisément et dans la commune de Lemba. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes en période de pluie déjà. La dame la pluie a repris ses habitudes et nous sommes venus visiter les érosions causées par les pluies de l'année passée. Nous sommes avec un riverain qui va nous expliquer ce que nous sommes en train de voir. Bon, comprenez qu'il n'a pas voulu vendre son image, mais du moins nous allons l'interviewer sans pour autant voir son visage. Papa, bonjour. Et bonjour, monsieur le journaliste. On vous appelle comment? Bon, tellement que vous voulez l'anonymat, on ne va pas parler de votre nom. Vous habitez le quartier Mbanzalemba depuis quand? Exactement, depuis 1997. Depuis 1997. Oui. Et quand vous êtes entré ici en 97, est-ce qu'il y avait ce ravin? Non, ça n'existait pas. Et d'ailleurs, personne ne pouvait imaginer qu'il y aura l'érosion par ici un jour. Alors, qu'est-ce qui a causé ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui? Nous sommes arrivés à ce stade à cause de la négligence de nos autorités. Parce que quand les pluies faisaient des petits sillons, nous avions
saisi les autorités de la ville à l'époque. C'était le gouverneur Kabasubabo à l'époque. Mm-hmm. Oui. Bon, il avait des instructions à la commune et la commune n'a pas su s'exécuter. On a négligé les sillons là qui sont devenus après des grandes ouvertures. Et finalement, ça fait beaucoup de têtes d'érosion dans cette partie du quartier. Ça fait beaucoup de têtes d'érosion et plus particulièrement... Plus particulièrement ici où nous sommes, mm-hmm. au croisement des avenues Limité et Kianfou. Oui. Oui, avenue Limité, c'est celle qui donne exactement et directement sur le marché d'Mbanzalembe. Mm-hmm. Et personne n'ignore l'importance de ce marché. Ce marché qui nourrit l'université de Kinshasa. Et ce quartier est réputé pour son hospitalité. C'est ce quartier qui offre les endroits pour dormir aux étudiants. Mm-hmm. Vous savez, de l'université de Kinshasa. De l'université de Kinshasa, effectivement, où il n'y a pas de dortoir. À l'époque, l'université devait recevoir plus ou moins 5 000 étudiants, mais maintenant nous sommes au-delà de 33 000. Et ces 33 000 trouvent leur survie grâce à... Non. Grâce à l'existence de Mbanzalemba. Mm-hmm. Quand vous entrez dans toutes ces parcelles qui environnent cet endroit, vous trouvez... pour la plupart habité par les étudiants. Les étudiants, oui. Et cette érosion risque de voir les étudiants se révolter et contre les autorités. Bon, disais que c'est surtout les pluies diluviennes de l'année passée mm-hmm. qui ont détruit complètement cette avenue. En bas ici, il y a plus de 49 maisons qui ont été englouties. Donc de l'autre côté, il y avait heureusement qu'on n'a pas déploré les morts. Mm-hmm. Mais en amont ici, il y a eu des morts dans cet hôtel. Il y avait un hôtel ici qui était bien réputé, qui s'appelait... Jérusalem. Ouais. Vous avez les vestiges qui sont restés là. Donc ce que nous sommes en train de voir là, c'était un hôtel. C'était un hôtel. Un hôtel réputé du quartier. Du quartier, oui. Du quartier. Et on tenait même des réunions ici. Mais c'est plus long à emporter. Non seulement à emporter l'hôtel, mais aussi il y a eu des morts ici. Mm-hmm. Oui. On a pu récupérer un seul mort. Le bourgmestre est venu. On a sorti un corps. Mais les autres corps, nous supposons qu'ils ont été emportés par les pluies. Mm-hmm. Donc, je disais que c'est parce que les autorités n'ont pas fait attention. Si le peu de maisons que vous voyez ici existe, c'est grâce à l'honorable député Kaoundé Mbaya, mm-hmm. qui avait entendu la voix du peuple et qui a déversé toutes ces immondices que vous voyez là-bas. Ça, c'est l'œuvre de Kaoundé. Et après lui, il y a eu le fils de l'ancien gouverneur, Kimbuta, Yannick Kimbuta, ouais. qui a aussi secouru tant soit peu, et vous voyez, ils ont sauvé les quelques maisons. Donc par là, vous voulez dire que ces immondices ont empêché les ravins de progresser? Oui. Mais alors, maintenant nous demandons que le bourgmestre envoie le bulldozer mm-hmm. pour pousser toutes ces immondices qui sont là, et afin d'endiguer l'érosion. Parce que tant qu'on laisse comme ça, c'est ce qu'on fait ici, ça risque encore avec de fortes pluies de s'effondrer en même temps et couler, et après l'érosion va pouvoir progresser, et quand ça progresse, on perd les maisons, et quand on perd les maisons, c'est la population qui part. Bah. Et à petit feu, le quartier va disparaître. Voilà, nous comprenons que vous êtes notre guide, nous sommes avec vous, oui. mais en attendant, nous pouvons prendre certaines personnes pour parler de la situation. Oui. Donc comprenez que nous sommes en direct. Bonjour monsieur. Bonjour. On vous appelle comment? Bon, je m'appelle Isaac Mkale. Isaac? Oui, j'habite juste ici sur l'avenue Maseki. Sur l'avenue Maseki? Oui, tout près de l'érosion. Oui. Oui, c'est ça, un peu ça. Alors cette érosion, ça date de longtemps. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à la progression de cette érosion? Bon, vous-même, vous voyez qu'ici, depuis que l'érosion, ça s'est propagandé, tu vois, ici, on nous a amené quoi, les immondices. Les immondices pour aider que ça soit un peu, genre que ça mm-hmm. soit
stoppé ici, jusqu'ici. Mais vous voyez ici, il y a trop de salubrité. On a laissé seulement comme ça, c'est comme si c'est abandonné. L'idée, c'est abandonné. Vu qu'on a, il y avait des voitures qui venaient un peu laisser des salubrités ici pour que ça arrête l'érosion. Maintenant, vous voyez qu'il y a personne qui s'intéresse pour venir encore nous aider pour que cette érosion ça puisse disparaître comme l'idée c'était avant. C'était comme ça. De côté bande et coloba. Bête à bisou no cola côté. Est-ce que si koyo mituke bando le ka ba tu peux bando bête à balle en dette aux quelques témoignages? Bon, mituke bando le canango, mituke bando le ka, et soi le ka pour qu'il déboué. Juste mituke bando le ka boué pour qu'il déboué. Ah ouais. Ah ouais, c'est qu'il a un bateau bando bando fois na place aux mona ou Isaac qui va passer la bateau. Place au parcelle Isaac qui a bateau. Ah ouais, donc. Ah, bah, tu vas nous aider à tout battre, vu que le coton est maraté. Ah, pompe, moi, forage et accomplice, et ça qui, ah, pour nous aider à battre, nous sommes sous la pompe, et ma main était à côté, ah, même en face. Mais depuis que Roger est salumi, personne ne passe ici, et puis, ah, tout le monde a venu, limiter, ils ont venu mon bouan, ils ont venu mon tour, ils ont venu mon principal, ils ont venu mon quartier lumière. C'est ça l'idée. Merci beaucoup. Ndeko, Mbote. Oui, Mbote, papa. Comment nani? Comment on a Joyce? Joyce. Poupou. Yo vous habitant ya quartier Mbanzalemba. Oui, nous avons Mbanzalemba vraiment. Nous avons Mbanzalemba. Tant que mona ka esiko ezalaki bien. Bonde ko beta ba le mitu ke ndole ke komi na etao. Et ça la ka ondeni. Vraiment papa na zo biso bisiko et ça la biso bien té. Et ça la biso tellement passe. Bisika o ba verser bima tellement ebelé. Mais souci na biso zaki ba verser ba tubaluba na té mais souci na biso za bisiko e kundama. À ma grande surprise to zalaki vraiment joyeux. Il y a comme on a un bami tout qui va nous attirer par foule oyo par foule on a l'idée que par kunata bisiko est à la malam des tinga église est à tout près à Valéwana mais tout ça peine à danger moi tout là la ta veille aux alaté parce que ceux qui voulent les bandits tous au bang a peut-être tout quoi qu'on noyait na maïwana et tout ça la biso ma passe ma casse ba quitter la biso ba biloko awa moi ba bois kangwa tana foule ba kundango exacte moi ba kunda pe valé oyo. Exact. Depuis, bah, mitou, kaba salibrité, wane ya eti kango ti lelo sans suite. Tu ébité. Sikoyo, nini oyo senga na ba konzamboka pour que solution ezwa ma a. Vraiment, ba konzamboka, o eza loko l'appel po nangai, ke bo se sensibiliser, bo ya kosi sa musala oyo. Webi souvent tant que tozalaka avant b'élection, tout mona kaba député bele bayak. Misala o ba député, fo basala kayangoyo. Oye na quartier Mbanzalemba, oye na Moamba to voter yo mais tant ba dégé zo salema to komona jamais député moko ko kitata awa asala musala po biso to zana kimia o mona kaka makambu soke leki leki to soufi na ndenge na biso 2023 to moni lesu ba député ba yeto voter bango vraiment ezo sala biso pasi makasi musala ndenge fandi boui e sengi nde ba yaba kunda vale oyo mapango ebele zaka ya kitoko. Ma pangu vome za ko route principale. Soko wuti kuna na Tabita oyé directement ti avenue Limeto Bimi Winda Mbanzalemba. Ezan zelo batu bandé koleka. Mais depuis Salema boeta la foule ndé koma. Quartier koma très sale. Tozo le kakaka kaka bongo, typhoïde pe za ba malaria pe batu bazanzinga nzinga bana mike bazali. Batu misupe ba perdant ma pangu na bango.
soki ba konziamboka ba juste solution ya bisika oyo ba ye ba kundi valé oyo et ko sala ke batu misusu ba récupérer tant mo ba parcelle na bango. Vraiment papa, merci beaucoup. Pambote, ah merci papa. Kombo nani? Kombo nangai papa Atou. Papa Atou to monyo na katali bengi boye et bisa biso nan ofanda koto justement a wezale pa nangai o zo mon ezanda ku nangai. Ndako esiko telemi. Ndako esika na telemi omoni na za 0 metri na libengi. Mm-hmm. Bandako msusu ezayi mpanzi oye kwe na libengi na toalete kenda. Alors, libengi salema ya grave. L'état abengi sibiso komba sinistreto. Pardon, avoko koma no akuna, bete la bisono li solo ya libengi angwe bandaki ndengeni mpo. Toko mati bandako eke ndebino boye. Bon, libengi e bandaka boye. Nzela oya makadamba salaka ya kisensu. Nzela wana basa bakanalize ba mai. Mai bakanaliza samba sala karnivo, batindika mai na kwen o ya biso. Nde mai teleme inondasyo leka makasi, e banduko luka e wakine nzela nini nde e buka libengi, ndenge sala libengi sala mabo ya makasi, banda kwekenda plus de 40 maison. Alo nde libengi e banda bongo. Alo, maki ya karnivo. Yoza moko ya basinistre, eske bumuna ki bakonza mboka? Jisema libengi oyo, ye moko numero 1 ya mboka ye bilibengi oyo parce que bibembe bakufa awa batu balalaka na hotel ba bengaka Jerusalem. Mm-hmm. Si personne bakundamaka moko abima 5 wana bakundama na sama bele babimisa bango donc ne tolo wa wena sama bele wana bazali alors president ayati na elimo santu asuka na elimo santu batinda ministre ayakati awa na burgomestre ba ye babimisi ebembe moko wana 5 wana babimisa bango te. Donc mokonzi mboka yebi histoire ya libengo batnde bakufa mokonzi ayaka amona bibembe ne limo santu nde basinistre wana parti mokonzi monaka makamnde batu bakufa kande apesaka ordre bame mabiso na commune ya Lemba. Mm-hmm. Basinistre tovana na kata commune lelo tozokende inane solution moko ezate pona biso basinistre tala condition de vie na bana tolala karakati ya salle o ya commune ya Lemba wana o basala basala ba mariage. Burgomestre apesa biso tolala kawana mais eloko ya pasi ba mariage eza kosala na kata commune moya ba mariage esala masusu eza te po biso ba sinistre toza wana donc eloko ya pasi ya wana pona burgomestre commune ya Lemba moya esala masala malamu eza te mais fale ba konzi ba biso labiso solution jusqu'à présent pe libengi oso ba kundia ngo te ezo ko avancer vers université. Mm-hmm. Do université fou ekwe université de Kinshasa voilà, la plus grande université à RDC très bien do eza 0 mètre ni avenue oyo kombo nango avenue limete e pa nangai awa libengi ndako bozo mona awa eza numéro 16 e bandi na wenza numéro 1 ngara za numéro 16 donc wenze na campus eza 0 mètre. Mm-hmm. Siko banda awa numéro 1 tina 16 libengi soki e progresser donc pour e atteindre campus musikate bakonzi bazo kipete imondiso bozo mona burgomestre tindaki ba imondise ye babwaki batindiki aliboso ya mibale fale baya batindika nani batindiki angote tozo senga vraiment basunga biso bakonzi na biso po bazwa solution kunda libengi oyo pe basinistre oyo bavandisa biso na Lemba lelo inane bakonzi bazula biso solution. Et là, vraiment, on a regretté que les gens ne soient pas la population de Bangote. Surtout comme dans moi, l'élection, il n'y a pas de bison, il n'y a pas de voter Bango. Banda Libengi, oh papa journaliste Salema, tu as dit que tu as dit que tu as dit aya ko visite biso donc même la député obo vota ki ba député nyo santa parlementaire ta mona te aya ata député moko na zolo ba vraiment na zo marché moté to mona ata député moko te ya mo amba aya ko visite biso na mbanzelemba na difficulté auto za nango pe ba lobela biso voir même kutu député o ya 0 mètre awa e pa na ba ana vin lo baki nani na député nga kombo na enani Patrick Lubala. Mm. Na Yvette Lubala bango o ya veli meté Kwangu, Lubaki, troisième avenue ndako na bango eza wana. Esika ba botami. Esika ba botami, Lubala zalaki wana ava alonga koto. Ata ye to tikala komona ta mukolo mota ya ko visite biso. Ba depute nyonso ya mo amba. Eza la ba ministre, to mona depute moko te aya ko visite biso na passe o biso to zwa bien nango. Donc politique ya Congo eza politique moko ya intérêt personnel. Mm-hmm. Eza vraiment politique moko eza passe makasi pona biso peuple congolais. Donc tozo bénéficier na biso na pays na biso te toza batmo tozo souffrir kaka mupanzi moko nde bazo sepela mupanzi busu tozo sepela te mais mukuse papa
Bouté ko yamba mamikolo lekina osé badi banga n'est-ce pas? Oaza ministre provincial ya action humanitaire. Bokenda ki certainement na hôtel de ville ministre na yamba ki bino ayibisa ki binoni. Bon, ministre le kutama be er to kenda ki ayibisa biso boye. Jusqu'à présent bozala ko biso li non? To zala ka kuna siko batwa ko longola biso ezabino. Siko to zala kuna to kende wapi? Justement ministre ayibisa biso boye ko sa voto yoki. Poto boya ki kozonga po esika kovanda ezali susute. Alors ministre alobi boye. Bozonga tozobenga burugumestre bozonga bovanda wana komina Lemba dans deux semaines tozo ya kolongola bino. Justement tozo zela dans deux semaines balongola biso mais deux semaines lokutama be nane kokite poto ye ba kolongola biso ou pas. C'est ça. Papa Mbote. Mbote monsieur le journaliste. Kombo nani? Kombona ngai papa Matumona Alphonse. Papa Alphonse Matumona ofandi na quartier Mbanzalemba. Oui, na vanyi na quartier Mbanzalemba. Est-ce que histoire ali bengi oyebi yango? Bon, histoire ali bengi na yebi yango e bandeleti suka. Pona za mwana na vanyi na Mbanzalemba. Oui. Alors li bengi oyo soki komi na niveau oyo ezali kozanga ba canalisation ya mai. Alors li bengi oyo eloko pesa biso passe ba terrasse ezate. Yango nanga na mitunaka. Est-ce que gouvernement congolais naba pays mususu batiaka ba buku mesi boende motema na bango elingi buku neti buku mesi Lemba to yebi ete na quartier Mbanzalemba nani atiaka to lingi to yeba nani atiaka ba buku mesi Lemba eska za mwana Lemba to zo senga na gouvernement asala tu alongola biso gouverne nani buku mesi Lemba alongola yepo c'est un fouteur hein. Donc, aza motema mabé na évité soit aza congolais. J'espère fois aza rwandais. Parce que ba rwandais ba na social mboka ote. So ka zaki congolais 100% beaucoup mais chalemba, mbele ba biloko ezate. Ben mondi zo ba bwaka yango, ça fait 2 mois kozanga tracteur po elongola yango e bwaka na libulu. Beaucoup mais chalemba nga na tunaka. Gouvernement, pourquoi ba contrôleur ba gouvernement ba nani ba beaucoup mais c'était Boukoumès à Lemba, biso na posa ba changer biso gouverner Boukoumès à Lemba. En tout cas dans les médias, ce qui va changer été biso nyoso ba na Lemba surtout Mbanzalemba livulu to komona président qui a kolugula biso solution ya ko changer Boukoumès à Lemba. Ayaki ka pwa yiba na embongo, ayaki ka pwa liana embongo. Commune à Lemba ezaki commune oyo à l'époque Mobutu, commune oyo ezali na colline respirer. Parce que ils ont une université. Presque, beaucoup de gens sont les cas de l'Emba. Il y a deux mois, il y a des boules vraiment. Il y a des chicots. Tout ça, pour ça, va changer. Ce qui va changer, en tout cas, tu as une solution pour beaucoup de gens. Le quartier Mbanzalemba est entouré d'érosion. C'est simple. Parce que tu as l'érosion, c'est belé. L'érosion, c'est belé. Ceux qui ont dit que les gens sont dans la ville de Kinshasa, que le gouvernement est dans la ville de Kinshasa, ils sont dans la ville de Kinshasa. 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 Est-ce que c'est vraiment normal? Ils ont un souci quand même. Ils sont dans la ville de Kinshasa. Quand le gouvernement est dans la ville de Kinshasa, ils sont dans la ville. Mais ce peuple était, mais un jour, peuple congolais m'a dit que c'était un peu. Merci à papa Fachi, je suis bon à l'université. Quand je suis venu à mon cause, je crois que nous avons tous les gens à l'université. C'est le premier entretien depuis que je suis à l'université. Je suis vraiment. Donc, merci Minga, continuez. Peut-être que mandat au papa Mobutu, à Salaki, il faut y continuer à mon photo. Et bien, ce qui est Zali, Congo est bon. Mais l'année la biso beaucoup mais c'est Lemba. Beaucoup mais c'est Lemba tous ana méchané makasi. Donc voilà la réalité de ce coin. Nous sommes au quartier Mbanzalemba, nous ne sommes pas dans un village. Nous sommes au quartier Mbanzalemba dans la commune de Lemba. L'une des communes les plus huppées de la ville de Kinshasa. Mais voilà la réalité. Voilà la réalité. Mboule bandi. Ndenge tolobaka mboule bandi. Ba dega o bozo mona awa. Eza ba dega za ki koze na
pluie du 25 au 26 novembre 2019. Et Batuba Koufa a ébélé. Mais malheureusement, nous sommes toujours dans la même situation. On ne sait pas quoi dire. Les autorités vous êtes interpellés. Moussala Nabino Bossala. Bien de ko Jean-Claude Kilolo, Olandi omoko na bokebi bande konyo sondenge balobi. Eza pasipe mawa. Tomoni na érosion oeza na avenue limité ndenge ning bata di mondi se tondi wana. Toyo ki population ndenge ya bwa kimbela. Mais yo apparemment même si nous sous en fondation. Est-ce que avant tout le banan oyo par rapport à Obande Koba Balobi, Okiko Lobanabi, soma mouke fondation na yo, objectif na wezani. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vrai, Nazali, coordonnateur, il y a association, il y a fondation, pardon. Et fondation wana ezali na kombo ezo porter kombo nanga bandeko bakalisa ki kopesa yango kombo nangai lokwa nazaki boy initiateur. La fondation s'appelle répond au nom de Jean-Claude Kilolo, la fondation Jean-Claude Kilolo. Mission na biso principale o ezalaki o eza assigné na cadre ya fondation na biso ezali la promotion de bien-être collectif par l'entrepreneuriat. Tozo promouvoir boye le bien-être collectif par l'entrepreneuriat. Le bien-être collectif, ils allient d'abord la priorité à l'environnement, la priorité à la sécurité sociale et la priorité à l'entrepreneuriat. Alors, totali ndenge mboka na biso ezoko kende. Il y a beaucoup de besoins où ils allient comme mata et pas la population na biso. Et ces besoins-là, parfois, ils ont zanga ba réponse. Il y a un ezo pesa biso ba création. Il y a ba situation tokomi na ngo la situation de l'insécurité kuluna. La situation est belé comme moi pas si beau. Obisto bandeko kokola na ndenge toza bo totikala komo na ngo te. Ko vivre ba situation na ndenge pesa ki biso makanisi. Il y a ko mettre en place une fondation. Qu'on permette qu'on s'engage à battre, qu'on vulgarise notion on a y a bien-être collectif, enfin que mutuna mutu a s'approprier nango pour que développement ils aient approprié au niveau de la base, pour que développement ils aient approprié au niveau de la base. Voilà les qualités qui voilà tout créé qui fondation. Les lois pensées à pour na colobé la fondation. Tu m'as évoqué histoire et fondation parce que fondation Jean-Claude Kilolo est co-type Makambango y a lutte contre les érosions au quartier Mbanzalemba. Oyoki bande konde ba lobby d'entrée de jeu et ça lui on. C'est vrai, la situation est terrible. La situation est vraiment dans une grande difficulté. Yakoloba que j'ai un cœur qui plaire. J'ai un grand sentiment de compassion na ba famille nyonso oyo bazo vivre situation oyo ezala ki causé boye na mbula oyo tolobi la pluie oyo ebeta ki une pluie torrentielle oyo ezala ki na année passée du 25 au 26 novembre 2019 je rappelle. Alors ezala ki mbula moko ki a causé beaucoup de dégâts. Des dégâts en termes de perte de vie humaine, mais aussi bandaku yabatu, biloko yabatu, et bébaki ebele. Vous allez vous rappeler, jusqu'aujourd'hui, il y a des sinistrés, oh, bah, bah, solution, bah, bah, problème, non, bah, et qu'elle a jamais causé la solution. Bah, m'sou, bah, zoko vend dans la belle étoile, na commune, yalemba, bah, m'sou, bah, zan, bah, famité. Parce que, bah, Pedro, bah, bilan, bah, bango, bah, perdre, bah, pang, bah, perdre, même, bah, bah, membre cher, y'a bah, famille, na bango. Alors, on a été saisi de cette situation par les billets. Il y a quelques sinistrés, il y a fondation, bah mon acquis visibilité, il y a fondation, saisir biso un objectif moko, bah saisir biso que pour que voie na bango au ezo yo kanate, voie na bango au ezo minimiser, fondation a porté voie na bango a matière ngo likolo, likolo est pas banane. Dikolo pa ya autorité pour que ba mona situation désaffreuse au bandeko bazo ko vivre ndeko les journalistes yo moko moni yo moko yo ki bantu ndenge balobi bota la condition de vie au bat bazali ko vivre. Les gens vivent dans quelles conditions? Moni hein ba salité bata di mondiso ba bazo vivre dans conditions pembeni pembeni, c'est une condition invivable, insupportable, c'est inhumain ba ko vivre dans la situation boété.
Batu baza vulnérable. D'abord, tu as un coronavirus. Nous avons trouvé une solution dans le cannabis. Quand on ajoute encore cette situation, vous avez la malaria, vous avez des typhoïdes, et ça, ils allaient les enfants rôdent tout autour. Il y a salité. Mais tu peux vivre un dengenim. Voilà, nous ONG saisis de cette situation, nous avons une initiative. Il y a quoi que l'obéla, quoi que l'obéla, mungongo na biso auprès na bino, surtout bino autorité bolanda biso, boya au secours, il y a quartier Mbanzalemba. Ce qui quartier Mbanzalemba est disparaître, c'est aussi l'université de Kinshasa qui sera en danger, parce que l'université de Kinshasa est en proximité avec ces quartiers et toutes ces têtes d'érosion, basan la direction côté Maeutaka et Maeutaka puis Maeutaka na université de Kinshasa. Voilà pourquoi nous avons été saisis, pour nous combattre sa voix, afin de mener des actions durables et solides. Parlant justement de ces actions, quelles sont les actions concrètes que la Fondation compte mener pour soit porter la voix aux autorités, soit trouver une solution définitive pour la population de Mbanzalemba? D'un cœur compatissant, d'un cœur humain, d'un cœur qui partage les sentiments avec la population des quartiers Mbanzalemba que je le suis, to co-initier Yaliboso Salongo, un méga Salongo. Parce que la pluie s'annonce déjà. La situation Oyomoko Moni, ce qui m'boule les bandits, non seulement Eko effondrer ma belle, mais batbako vivre les sous-souté. Parce que Eko dégager Oder Moko nos aibondes awa. Batbako vendre les sous-souté. Batbako a la difficulté à vivre. Alors on va enregistrer des cas de maladie. Ngaï na ONG Nangaï, na fondation Nangaï, te lobby que te saisir opportunité pour nous organiser. Tant que le gouvernement, tant que les autorités, il y a ville à Kinshasa, Topé, il y a commune à Lemba. Nous, population, on s'approprie la population, la situation de Bissomoko. On s'approprie de cette situation par rapport à besoin de Bissomoko de vivre. Parce que Bissomoko a besoin, Bissomoko peut tout ça, il y a solution, il y a besoin de Bissomoko. Fondation, ils ont existé d'abord, c'est une fondation où ils ont une mission, il y a étendue nationale à Mboka Nabisso. Mais pour des moyens d'abord de segmenter en haut, de l'obit au Banan Liboso, Nambanzalemba. Ils ont organisé un salon, un méga salon, pour évacuer d'abord la situation de Bissomoko. Pour permettre à Batou de respirer, quand même, de reprendre espoir, de respirer vent et sika, mais quand même vivre à l'abri et en toute quiétude. Voilà la première action que nous allons mener dans le cadre de la Fondation Nangaï. Voilà, protéger l'environnement en tout cas, c'est ce qui compte. Hein? Environnement, ce qui est assainité, ma maladie est capable de pamba. Voilà pourquoi. Tomoni bisomoko na ba érosion nyonso oza na quartier Mbanzalemba bande komoko boye ba bandai koya ba so ba député to loba hein na ba to politique en général ba yena ba ta dimondis ole ba bwaka na kati ya ba ravin ba tiki yango libanda tomoni na bilili ndenge nini bande ko bazo déplorer situation wana. Mais Jean-Claude Kilolo, tomoni situation dans laquelle bande ko wana baza sikoyo cause eza nini ba politicien ba yela ki bango ba tag mondis ba kiti seli bango. Est-ce que fondation na yo peza na vocation politicienne te par exemple oyé ndenge ba msusu ba yaki ba zui ba voix ba kimi quartier ba ke na bango talande ba tiki ta to moni na bilili ndenge ba sopeli bango ba salité ba poubelle ba immondis na quartier na balabala ba tiki bango bongo yo pe Fondation na eza na makanisona te aya azui ba voix ba na Mbanzalemba akeyi abosani bango lobela biso na. Est-ce que objectif na bino eza politicien ou boza vraiment na objectif social ndengo lobi? Merci beaucoup. Par rapport à la situation où tozo vivre na quartier na biso, la question n'est pas d'abord politique. La question est d'abord sociale. Et dans l'ordre social, il y a une fondation qui est une création. Dans l'ordre social, il y a une fondation qui est trouvée place. La fondation que je rappelle, Jean-Claude Kilolo qui porte mon nom, ils ont une ambition politique, c'est une ONG. Ils ont une ambition politique, c'est une ambition politique. Nous voulons porter la voix si haut. Pour moi, Nabisso Ezali, il y a Matissa Mungongo, il y a quartier Mbanzalemba. Le quartier Mbanzalemba, ceux qui m'ont les bandits, ils ont une situation moko, où ils ont na komboté to za na situation moko eza incomparable. D'abord to za kana nzela te to za na mabengi par ci par là to za na courant ekito côté to za na mai kutu ya komela te. Nos mamans, nos jeunes filles, nos sœurs, nos frères et nos frères vivent dans des situations où bakou ko comparer on a côté mususu te.
Mais biso souci na biso eza politique té. Souci na biso que lokola bomoni bino mokobolobi que bango moko balobi que ba député ba yaki ba bwaki ba biloko ba tiki. Où sont ces députés là? La politique est où maintenant? Biso moko lokola habité en Bangalema. Même pendant les vacances parlementaires. Même pendant les vacances parlementaires, personne n'est venu, personne n'a initié une action. Biso moko tolobi likambo ya Bangalema eza likambo na biso moko. Likambo ya Bangalema eza bien privé na biso moko. Avant que likambo eya, biso moko to sengeli ko s'approprier nango. Biso moko to s'approprier nango, ce que to s'approprier Baction n'est ce toko sala, baction n'a et cosa solide, baction n'a et qu'on trouvait importance na katia quartier na biso. C'est comme ça que l'ONG et bandit cosa la baction n'a d'abord action de bosson d'intérêt. On est ici, c'est salongo, un méga salongo. Objectif est ça de bosson koi longo la nan ba imoni soana, kokite ango na érosion et qu'on lite d'abord et cosa la pona lite anti et cosa loco la anti-érosif, mais aussi ça va permettre la population environnante ba respirer quand même mon pépé yasika. Ça va permettre à la population environnante, bah vivre quand même air moko yasika. C'est ça, recréer l'espoir. Donc, objectif, il y a Fondation Abisso Ezali, qu'on recréer espoir, qu'on peut s'abattre sourire yasika. Bisso, la population, en bandé, ma tokansi, qu'est-ce que tu as délaissé. Mais maintenant, on trouve l'occasion, il y a qu'on lever voix Abisso pour que. Quartier Nabiso et mon amouinda pour que quartier Nabiso et ça la paix écouter le coup quartier nous sommes n'est toyo kaka. Merci beaucoup. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle que Face à Face est descendu sur terrain pour voir la réalité du quartier Mbanzalemba dans la commune de Lemba. Jean-Claude Kilolo, un mot de la fin avant de clôturer cette émission. Merci beaucoup. C'est pas un mot de la fin, mais c'est juste un remerciement. Je vous remercie de cette opportunité parce que c'est une grande opportunité que nous avons saisie de parler du quartier Mbanzalemba. Un quartier qui est presque dans les oubliettes, dans les agendas, les oubliettes des agendas de certains politiciens et politiciennes ou des structures politiques. Nous, habitants de ces quartiers, nous avons pris la conscience de s'approprier de cette question importante qui est notre intérêt collectif. Qui est un village aujourd'hui pour nous. Ceux qui te négligeaient en Golélo, Ceux qui te bongissaient en Golélo par Bissomoko, je crois que nous pouvons choisir Nani Oyo Akuiko représenter. On est causé la question en Souka, dans l'Isango Toko Bengissaya Mounene. Mais l'objectif primordial, c'est d'abord parler et faire écouter si haut la voix Yako quartier, Yak Mbanzalemba, Obiso Tosaliko vivre. En tout cas, Tokomina Souka, mais nabo sani lo moko. Et ça, Congolais diaspora, habitants ya Mbanzalemba, disons, ya bo bazana diaspora lelo. Et belé ba komela rabi so bazana Belgique, na France, en États-Unis, na Canada, na Afrique du Sud, un peu partout. Ba komela rabi so, pour tout na biso situation ya Mbanzalemba zandenge nini, boye na boye. Yo en tant que heureusement to zuyo sikoyo moi na Mbanzalemba. Message ni opesa na bande kwa diaspora. Bana Mbanzalemba bako zela nini na bana na bango bazale lo na mboka bapaya bazela nini pour na développement ya quartier. Merci beaucoup monsieur le journaliste pour na importance ya question wana o kitisi sikoyo. En fait tina ya diaspora ezali pour na kotia misu na sima. Les gens qui vivent na situation confortable na Europe. Mais baouti na ba famille. Ceux qui bango bazo vivre malam et que ba famille na bango bazo vivre na ba situation ya kito côté, ils ne seront jamais à l'aise. Na quartier na biso, toza na bana ba papa, ba maman, ba leki ebele, baza na niveau ya poto, baza ko sa na niveau ya poto, mais bata la bango moko la situation ya quartier na biso. Et nous profitons aussi na occasion oyo ko pesa bango sonnette d'alarme. Ba ya na secours na biso. Le quartier Mbanzalemba, azana posa ya effort na bango. Ceux qui te sangisi ba effort, ceux qui te sangisi makanisi, ceux qui te sangisi ba moyens, les moyens locaux, na ba moyens o bango ba kopesa biso et ko permettre que Mbanzalemba ezala quand même visible. Mbanzalemba est un quartier viable. Viable pourquoi? Nous sommes dans une grande commune et la viabilité, nous avons une grande université. Parce que l'université de Kinshasa existe. Mais ceux qui ont un vrai Mbanzalemba, ils partagent. Mais est-ce qu'il y a l'image de l'université? Quelle est la vie que partage la population locale de Mbanzalemba? C'est une vie qui n'a pas de nom.
C'est une vie qui n'a pas de nom. Tosengi na bande kona biso ba diaspora o balandaka biso quotidiennement d'abord na cadre on ya cadre ya fondation. Nous avons eu beaucoup d'appels de soutien na part ya bande kona biso ya nani ya diaspora. Mais ba appel wana ekokite. On a besoin ya du matériel. Tozana nzela ya kito côté soko ba ko former lobbying et pas na bango kuna na niveau Europe, na niveau États-Unis ba ko former un groupe de soutien eux ko permettre na quartier na biso et mona quand même mumwinda et ça quand même développer le kola ba quartier mususu et le m'appelle le kola ba commune mususu ba quartier mususu et le bel amapé peut-être par exemple je vous dis je peux pas les cacher tout par exemple ba quartier ya Kisenso na ba micole entre 1990 tito comme ba na ba 2000 Kisenso en termes de quartier par rapport ya Mbanzalemba il y avait pas un quartier qui pourrait faire face na quartier Mbanzalemba mais lolo nous sommes en train de vivre dans une pyramide renversée nous sommes en train de vivre dans une situation de pyramide renversée Kisenso a gagné Kisenso a ke musika pourquoi parce que Kisenso a pris conscience ba habiter Kisenso ba diaspora Kisenso ba notable Kisenso ba vu conscience ba lobeli Kisenso voilà la lumière c'est à Kisenso l'eau c'est à Kisenso le route c'est à Kisenso mais où est Mbanzalemba où sont les notables à Mbanzalemba où sont les diasporas à Mbanzalemba je crois que situation ceux qui balandi biso ba yoki biso et que pesa pe bango makanisi pour que ba zonga ata ba zongi physiquement mais moralement ba kuyoko zonga pour que ba soutenir ben fort o ezali ko sama na kati ya quartier na biso. Merci Mingi, na to pesio matondo. Merci pe na bino o bolandi biso na mokolo ya lelo. En tout cas, c'est une question très sérieuse. Hein? La population de ce quartier de Mbanzalemba est en train de souffrir. Je rappelle, l'année passée en 2019, il y a eu des pluies diluviennes. Banda kwa batuyele kenda ba tebele ba kufa. Pourquoi? Justement parce que canalisation maiza mala monté. Ba tête d'érosion bimie belé belé na quartier Mbanzalemba. Ba autorité bozo landa biso prenez conscience. Hein? La population boya kaka tsibozu ba voix boko si ba mama ba na ba bassin ba so ba 2000 francs bozu ba voix et voilà aujourd'hui. Pas si na monté mais salinga tong na oki papa na lobby. Ba député union soto vota qui même pendant les vacances parlementaires batika lio beta tourté. Voyez la situation. Donc, c'est un problème très crucial. Nous ne cesserons de parler de cette question et jusqu'à ce que la solution sera trouvée. Nous sommes arrivés à la fin. Pour vous qui n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous massivement pour ne rien rater de l'actualité de la RDC. On se retrouve à la prochaine.